Bonjour, existerait-il d'un groupe armé que la MONUSCO a eu à maîtriser dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Une question qui restait sans réponse jusqu'à ces jours malgré sa forte présence dans cette zone. L'Est de la RDC continue à subir les effets de la barbarie des groupes armés. Uyega, la population de Goma a manifesté son ras-le-bol. Toujours dans les titres, 21e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté de l'Afrique centrale. Plusieurs recommandations ressortent de cette session, notamment la stricte exploitation de la feuille de route de Luanda axée sur la pacification dans la partie est de la République démocratique du Congo, la cessation des hostilités et les retraits immédiats des rebelles. Des titres à suivre dans ce journal. Télévision nationale congolaise, les journaux. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec cet appel au calme lancé par le gouvernement congolais aux anti-MONUSCO dans la province du Nord Kivu. Vous le savez, avec moi, la population de Goma continue à exiger le départ de cette force onusienne et pour manifester son... important. Les gouvernements qui suivaient de près la situation et qui est tenu à assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel a convoqué en urgence une réunion avec les responsables de cette mission onusienne pour faire le point. On prit part à cette réunion autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, quelques membres du gouvernement, à entendre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. La situation a été suivie de très près par le président de la République lui-même. Et puis le Premier ministre, donc aujourd'hui, à la fin de la journée, il était important que nous puissions rencontrer les responsables de la mission, qui sont nos partenaires pour le travail pour le retour de la paix, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les plus urgents au cours de cette réunion, c'était les dispositions qui sont en cours et qui doivent être prises parce que nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons le devoir, conformément à l'accord de siège qui nous lie avec les Nations Unies, d'assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel. C'est ce sur quoi nos éléments de l'armée et de la police s'attellent, depuis hier d'ailleurs, et jusqu'à ce matin, ça s'est poursuivi. C'est que au retour attendu de Mme Bintou dans les prochains jours, nous pourrons avoir un dialogue plus étendu sur le travail que nous faisons déjà. Vous savez qu'on a déjà amorcé le processus du retrait de la MONUSCO. Et le message essentiel, c'est de lancer un appel au calme. Rien ne peut justifier la violence, rien ne peut justifier d'aucune manière une quelconque forme d'attaque sur les installations de la MONUSCO et nous voulons dissuader ceux qui, parce que nous avons notamment des éléments d'information qui renseignent, qu'il y a des personnes qui veulent s'apprendre à tous les personnels de la MONUSCO, il ne faut pas tomber dans l'amalgame, il ne faut pas se tromper d'ennemi, parce qu'au sein de la MONUSCO, ils travaillent pas seulement les étrangers, mais aussi de compatriotes congolais. Pour la MONUSCO qui soutient les gouvernements congolais, un travail de cohérence et d'harmonie s'avère indispensable pour les retraits de ces troupes en République démocratique du Congo. Et je voulais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de ces individus, aussi bien congolais que du côté de la MONUSCO, qui ont donc perdu la vue au cours de ces incidents tragiques, réitérer notre entière disponibilité à travailler avec le gouvernement pour tirer la lumière sur ces faits, mais en même temps rappeler, comme l'a dit le ministre, que la MONUSCO est ici en soutien aux autorités congolaises pour essayer de stabiliser les zones qui sont encore en proie aux groupes armés. Pendant ces temps, des enquêtes sont en cours au niveau de l'auditorat et du ministère de la Justice. Et la tension dans la ville de Goma, des scènes de corps à corps observées entre la population civile qui exige, je le disais, le départ de la MONUSCO et le casque bleu. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, fixe l'opinion à propos. Extrait du ministre. Nous sommes venus ce soir pour faire le point des situations malheureuses que nous avions connues hier à Goma et aujourd'hui à Goma et à Butembo. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse.
Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les éléments, les trois casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons continuer le travail de la sensibilisation, mais aussi le travail d'enquête et de justice, parce que la lumière doit être faite sur ces événements. Je dois aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations dans la vague de ces mouvements. Ceux qui seront désignés comme responsables ou coupables des actes de vandalisme devront aussi, à leur niveau, répondre de leurs actes. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse, d'être toujours mobilisés. Nous aurons sûrement un autre exercice bientôt, mais il faut considérer que dans ce qui arrive, vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes déjà dans un plan de retrait avec la MONUSCO. Nous avons déjà exprimé nos frustrations et vous avez vu les conséquences que peuvent avoir les paroles publiques, des parts et d'autres d'ailleurs, parce que c'est une affaire de paroles qui a déclenché ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours. Il est important que vous en teniez compte dans le travail que vous faites pour être sûr que nous tous, nous travaillons, n'est pas compliqué ce qui est déjà compliqué et à travailler pour le retour rapide de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis c'est deuxième extrait, cette fois-ci avec la représentation de la MONUSCO sur la même situation dans la ville de Goma. Suivez. Nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent, c'est de voir l'Est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est une région extrêmement riche d'opportunités et je crois que nous sommes à vos côtés et nous inclinons vraiment avec humilité sur les manquements, les faiblesses que nous pourrions avoir. Nous sommes dans une œuvre humaine et toute une œuvre humaine a ses défaillances, mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux dans la limite de nos moyens. Je le disais dans les titres, Nord Kivu, la population a repris la rue ce matin, mais avec un peu moins d'intensité. Un ras-le-bol de la population du Nord Kivu dans la ville de Goma a traversé manifestations dans les rues de la ville pour exiger le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Barricadé sur plusieurs axes à Goma le mardi 26 juillet, rendant difficile, voire impossible la circulation. C'est entre autres ambiance du deuxième jour des manifestations contre la MONUSCO. Des motards en phare allumé se sont régalés sur les boulevards. Un pillage a dévalisé l'entrepôt Temka de la mission onusienne qui a vu tout être emporté. Pendant ce temps, à Butembo, les manifestants ont pris la direction du quartier général de la MONUSCO au Bel Air où une scène de vandalisme a été vécu. C'est la même situation à Kanyabayonga. L'armée et la police ont été redéployés pour sécuriser les installations visées et le gouverneur, à partir de Beni, où il séjourne, a lancé un appel au calme. Boutiques, magasins et grands marchés sont restés fermés. En début d'après-midi, les militaires faisant corps du CECAS ont commencé à rouvrir les routes pour faciliter la circulation sur certains axes, dont le boulevard Karisimbi. Des gaz lacrymogènes ont rendu même difficile le travail de la presse. Faisant suite des ces mécontentements de la population de Goma contre cette mission onusienne, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le vice-gouverneur de cette province qui nous fait le point dans ses reportages. Dès sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma ce mardi 26 juillet 2022, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu n'a pas eu du tout repos. Il a effectué la ronde de toutes les bases de la MONUSCO en ville de Goma afin de se rendre compte de la situation réelle. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Romuald Ekoukalipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu, s'est fait accompagner des membres du cabinet du gouverneur pour cette ronde. Le vice-gouverneur a par la suite lancé un appel à la retenue. Bonjour,
na kiti l'avion sikoyo ba konzi balobi nanga kita mbangu oke ne kota la situation ba konzi ba yoki premier ministre na witi ko swana esikoyo chef de l'état aza ko landa baloba ka moi na même soko lingo corrigeo za na likanisi okobeta ye mingi te obete peut-être mbata moko to gangelier akoyoka soki on bakisi mingi ekomi eloko msusu oui bomoni oyo ezali communauté internationale bazali bato gouvernement asengaki baya awa ya solo bisonde to votaka mais problème ezali est que gouvernement lokola asengaki bisom to sengaki ke ba ko salisa biso gouvernement ndimi toti ka gouvernement a joa décision toyokana toyokana eloko nyonso esilaka na boyokani eloko nyonso esilaka na boyokani bakonzi bayoki botika ngai nasola na bakonzi botika ngai nasola na bakonzi toyebi eloko nini gouvernement akosala tokopesa rapport totika makamu ya mobulu sikoyo totika makamu ya mobulu bato basi bamoni tozonga na kimia na bandako gouvernement akozwa solution. Sous son autorité, une réunion de sécurité s'est tenue à Goma dans l'objectif d'évaluer et de maîtriser la situation. La 21e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté de l'Afrique centrale a vécu à Kinshasa. Plusieurs questions ressortent, plusieurs recommandations, allais-je dire, ressortent de cette session, notamment la stricte exploitation de la feuille de route de Luanda axée sur la pacification dans la partie est de la République démocratique du Congo avec le retrait immédiat des rebelles dans cette zone. Suivez ce reportage. La 21e session de la communauté économique des États d'Afrique centrale tenue à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de cette organisation sous-régionale était riche en matières exploitées. En plus des différents aspects abordés en sous-commission, le communiqué final a retenu une des recommandations plus pertinentes. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga, président en exercice du Conseil des ministres de cette structure, donne l'économie des travaux. La conférence a salué le travail abattu par le président de la commission et son équipe pendant le premier semestre de l'année 2022 et les encourage à poursuivre leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs de la communauté. La conférence félicite le président du Conseil militaire de transition, le gouvernement et le peuple tchadien pour le respect des engagements internationaux pour lesquels la République du Tchad a souscrit. S'agissant de la situation politique et sécuritaire de la région, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, la conférence a appelé à la solidarité communautaire et suivant le principe de la complémentarité, elle a instruit la commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation des hostilités par les groupes rebelles M23 et son retrait immédiat des positions actuellement occupées, conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Un dragage à outrance au niveau du bassin de rétention des Chongo pour éviter l'impact négatif de l'étiage à la centrale hydroélectrique d'Inga. Les équipes de la SNEL sur place ont réussi jusque-là à maintenir opérationnel le machine de cette centrale. Notre envoyé spécial sur place, Yvette Mankoutima. Pendant la saison des pluies, elle est noyée sous les eaux et la pression est forte. À ce jour, la digue déversante est visible et ressemble à une plage. L'étiage est sévère et touche tous les outils du génie civil de la SNEL SA. La délégation de la direction générale de cette entreprise en mission de travail à Inga a visité les canaux d'Amené d'Inga 2 pour faire les constats de la baisse du niveau des eaux. Les bassins de la prise en charge de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 en passant par les bassins des rétentions de Chongo où les dragages à outrance étaient effectués pour avoir une bonne quantité d'eau et faire face à ces phénomènes naturels. Nous sommes en train d'évoluer, nos 6 machines sont en train de tourner. Jusque-là on tient, mais ça dépend de l'eau et si ça diminuait davantage,
peut-être que ça va commencer à nous demander d'arrêter, peut-être on va arrêter une machine pour laisser les autres de bien fonctionner. Ça dépend. On peut laisser les 6 machines en diminuant leur puissance. Mais ou soit, on arrête une machine et les 5 autres continuent à travailler. À la centrale hydroélectrique Inga 1, 6 machines sur 6 tournent en plein régime. Les filtres sont légèrement touchés. Cela n'empêche pas la production de cette centrale. Nos machines aussi sont en train de draguer. Donc, d'un côté, nos machines aussi aspirent du sable. Mais ce qui nous embête un peu, une bonne quantité de fois, ça passe dans nos filtres. Et que ça bouche, on est contraint d'arrêter pour enlever ces sables et de répandre la machine afin de pouvoir continuer à alimenter notre clientèle. La SNEL SA rassure la population, malgré l'étillage, tout va bien. Et appelle également au civisme dans la gestion des déchets. Un point complet sur l'actualité politique, économique et sociale du pays. Thierry Monseigneur Pirissé, cadre de la Convention des Congolais Unis de Lambert Mende, appelle la mobilisation générale derrière l'IFRDC devant la presse. Il est revenu également sur la dernière sortie médiatique du député national Jean-Marc Kabound à Kabound. Cédric Enina nous fait le point. Thierry Mousenepo en conférence de presse pour dénoncer ce qu'il qualifie de complot contre la République en intelligence avec l'hydre expansionniste. Ces cadres de la CCU a brisé la glace, pointant un doigt accusateur à l'endroit de l'opposition qui joue à fond, selon lui, les jeux de l'ennemi en banalisant l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est par les Rwandais, et ce, en usant sans sourciller les mêmes éléments de langage que l'ennemi. En effet, pendant que le gouvernement a décidé de traiter les agresseurs estampillés M23 pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire les forces terroristes et hommes liges du Rwanda, le directeur de cabinet et porte-parole du président du parti politique Ensemble pour la République est passé sur les antennes de TV5 Monde pour contester la position gouvernementale, préférant qualifier notre diplomatie de paranoïaque. Il n'y a pas meilleure façon d'offrir une passe en or à l'agresseur. Répondant à la question sur les allégations portées à la place publique par Jean-Marc Kabound, que Thierry Mousenepo qualifie de graves, la justice est appelée à faire son travail, a-t-il souligné. Et l'acte de pouvoir accuser les autres aussi facilement, de manière aussi éhontée, traiter les autres de voleurs, de détourneurs, de jouisseurs, etc., c'est facile de le dire. Mais il faut admettre aussi que ces personnes attaquées ont une jouissance que leur accorde la loi. Donc en ce moment-là, est-ce que ce sont ces personnes qui sont en train de chercher à vous donner de l'épaisseur, ou c'est vous-même qui vous mettez dans une position où la loi vous condamne? Ceci dit, dans son propos contre-productif, truffé des contre-vérités, tout porte à croire que le député Jean-Marc Kabound était simplement à la recherche d'un incident pour faire sortir les pouvoirs de sa retenue et s'attirer des foudres dans le but de gagner les galons de nouveaux opposants, a-t-il conclu. Certains motocyclistes constituent aujourd'hui un danger public dans la province du Lualaba. Par exemple, la gouverneure de cette entité était face aux conducteurs de moto pour leur faire part de mesures prises dans le cadre du respect du code de la route. Suivez ces reportages. La gouverneure intérimaire du Lualaba a organisé une rencontre avec les représentants des motocyclistes et ceux utilisant le tricycle communément appelé petit A dans le transport en commun. Marie-Thérèse Masuka-Saini s'est fait assister des membres du conseil provincial de sécurité, dont le ministre provincial de l'Intérieur et du maire adjoint de Kolozi, Jacques Massengo Kindele. Munashusha bantu kama wewe utashushuke mbio pendele na kurudia kwa pamoja ili uwe mpisi. Munachoma mpisi. Kuku mabalabala la uvu kuwe pasi. Les statistiques de mort. Ça doit vous effrayer, munangaria, munasema. Si kama kila shiku ilumba, mwa denye mkubate mwa. Kila shiku Mungu alumba, kuku paka un mort mondara. Un ou deux morts. Comme on est de janvier à juin, nous sommes à 400 morts. Et par son art communicationnel, la femme numéro 1 du Lualaba n'a pas eu mal à convaincre
cette catégorie délicate de Lualaba. Ses représentants des motocyclistes et tricyclistes de Kolwezi ont salué l'initiative en promettant de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les recommandations de l'autorité provinciale pour le bien de tous. En ce moment, centre-ville sans moto, sans motard, sans chipitapana, ou comme en pendant les côtés, tout boulot, l'écho, mais tout comporter bien. La loi reste une loi. Malgré il y a des amendements, on finira toujours à trouver une solution. La réduction du centre d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante dans la province de la Chuapa, objectif du sit-in organisé par la population devant le siège de la CENI de cette province et la deuxième édition de l'examen de la formation professionnelle et métier a été lancée par le gouverneur de cette même province. Un reportage de Chimène Dundo. Ils étaient au total 65 candidats dont 62 ont reçu une nommation de plus grande distinction dans son allocution. Le gouverneur Pancras Bongonkoy a rendu ses hommages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir concrétisé sa vision qui consiste à doter la République démocratique du Congo d'une main-d'œuvre qualifiée pour un développement durable. Le ministère de la Formation professionnelle et métiers a organisé les évaluations certificatives des compétences des apprenants pour toutes les diverses filières de métier dans la période du 9 au 11 septembre 2011. La remise des titres aux apprenants vise les objectifs suivants. Faire connaître le ministère de la Formation professionnelle et métiers à la base et son importance pour la création d'une main-d'œuvre qualifiée et qualifiante en vertu d'une adéquation emploi-employabilité. Avant de féliciter et encourager les lauréats d'exceller dans leurs domaines respectifs, tout en exhortant les fils et fils de la Chuapa de s'inscrire aux différentes filières en vue de participer à l'examen national de fin de titre professionnel pour l'obtention de titre national. La République démocratique du Congo dispose désormais de sa propre boussole en matière de la prévention, contrôle et désinfection. C'est la résultante de l'atelier sur la prévention de maladies infectieuses dont la clôture est intervenue le 17 juillet dernier. En Banzangungu, Toto Célestine Sungu pour les reportages. Atelier d'élaboration du plan stratégique de la prévention et contrôle de l'infection, de l'eau, hygiène et assainissement. Travaux organisés dans le Congo central avec l'appui financier de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cet atelier a permis aux participants d'élaborer la feuille de route des actions menées jusqu'à la validation du document final. Je me réjouis personnellement de l'organisation de ces jours de cet atelier, l'élaboration de la stratégie de prévention et contrôle d'infection. Et je salue la présence de vous tous à ces assises. Je ne peux m'empêcher de saluer particulièrement l'OMS ici représentée, car c'est notre conseiller technique et cette organisation nous a toujours accompagnés. Les recommandations de la CPI, contrôle, prévention et infection, et HA, hygiène et assainissement, empilé à part entière dans le prochain plan national du développement sanitaire de la République démocratique du Congo, devant ainsi faciliter la planification des activités des PCI et HA au niveau de toute la pyramide sanitaire de la RDC. Au nom du secrétaire général empêché, je déclare clos cet atelier d'élaboration de la stratégie de PCI et HA. Ces documents finalisés servira de boussole pour le pays en cette matière. L'ouverture était intervenue le lundi 17 juillet dernier. La population de plusieurs villages du territoire de Mweka dans la province du Kasaï ont été sensibilisés à la prise de conscience sur l'agression rwandaise et les soutiens aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Redépenda pour les détails. Et Chamandondo, un des villages les plus peuplés du territoire de Mweka, province du Kasaï, fief naturel de l'élu de Mweka, Martin Ikok, était sur son agenda pendant sa campagne de sensibilisation, mobilisation et conscientisation de la population sur les enjeux sociopolitiques qui prévalent dans le pays. Après l'étape
De l'Axe Lodi, le député national Martin Ikouk a poursuivi son périple dans cette contrée en empruntant cette fois-ci l'axe Chioko jusqu'à son port privé de Benamakima. Sur ces tronçons de ces longs périples, l'élu de Mweka a parcouru durant 7 jours plusieurs dizaines de villages avec tous les moyens de transport disponibles, à pied, à moto, en pirogue, par la voie maritime. Partout où il est passé, Martin Ikouk a sensibilisé la population sur la guerre injuste que nous impose le voisin, poussé par l'esprit de prédation et de convoitise des richesses de notre pays, a-t-il souligné. Il faut que chacun en ait la conscience et lutter pour bouter l'ennemi dehors afin de rétablir la paix durable, en soutenant les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées congolaises déterminées à combattre et chasser hors du territoire national l'ennemi. En compagnie de sa tendre épouse Rosalie Anal Ikouk, dans ses villages portuaires de Benamakima, l'honorable Martin Ikouk Tsikot a visité le grand dépôt, endroit idéal pour la conservation des marchandises des commerçants. Une façon pour lui d'emboîter les pas à la vision du président de la République qui sans cesse reste préoccupé des meilleures conditions de vie socio-économique de son peuple. Et le vice-ministre du budget a au cours d'une rencontre réaffirmé son soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, occasion pour lui d'inviter la population congolaise de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Serge Matar. Infatigable sur les fronts contre l'ennemi du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours non seulement besoin de la collaboration de la population, mais aussi du patriotisme et du soutien populaire. C'est dans cette optique qu'intervient cette campagne de sensibilisation initiée par les vice-ministres du budget et autorité morale du Parti de l'Unité nationale. Au cours de sa brève communication, Élisée Bokoumouana a axé son message sur la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre du budget a, à cette occasion, renouvelé son soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également invité la population congolaise en général à soutenir les FARDC engagés au front contre les M23. Élisée Bokoumouana a par ailleurs demandé à la jeunesse en général, et ceux de l'Équateur en particulier, de s'enrôler massivement dans l'armée. Le message, c'est appuyer le chef de l'État par rapport à sa vision de neutraliser les terroristes au niveau de l'Est et que la calmie revient. Nous lançons l'appel vibrant pour que la jeunesse puisse s'enrôler massivement, hommes, femmes, filles, garçons, afin que nous puissions avoir un effectif qui représente la dimension de la République démocratique du Congo. Cette action de sensibilisation des vice-ministres et des budgets s'inscrit dans le cadre de sa croisade d'armement patriotique contre l'agression de la RDC par le Rwanda au travers les M23. Après avoir participé à la célébration du jubilé d'argent de Monseigneur Javier Kataka, le conseiller principal du chef de l'État au collège socio-culturel, et l'ancien ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde ont eu le privilège de visiter les chantiers de construction des infrastructures routières dans la province du Haut-Uele. Reportage. Visite de terrain commence à Gombe, chef-lieu à Dimbisa, où les hôtes de Christophe Bassian-Nanga découvrent à cœur joie une vaste pépinière pour la relance de l'agriculture vivrière. Ici, de nombreuses variétés agricoles à transplanter sont déjà en gestation pour de grandes superficies déjà labourées. Puis le périple sur la nouvelle route en construction dénommée Corridor Oriental. Après la traversée de la rivière Nepoko et très loin au-delà de Bolé-Bolé, Théo Tshilumba Wakabea et Gilbert Kakonde se retrouvent en pleine forêt équatoriale dans une nouvelle bretelle de cette route en création vers la cité de Nyanya sous la RN4. Il ne reste plus qu'une dizaine de kilomètres pour la jonction. Le chef de la délégation s'est dit émerveillé par le courage, l'engagement, la détermination et la volonté politique qui caractérise le gouverneur Christophe Bassian-Nanga, totalement inscrit dans la vision du chef de l'État. Pour la province du Haut-Uele, il y a un grand chantier qui nous a amenés jusqu'ici. Nous sommes en train de nous rendre compte des réalisations du gouverneur de province. Parce qu'il est en train de construire une route donc, à partir de rien. Donc, c'est appréciable, c'est encourageant pour la République.
le travail qu'il est en train de réaliser aujourd'hui, je pense que ça va servir d'exemple pour d'autres provinces. Et le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Mpiémé, accompagné du député Papi Mwanza, ont déployé plusieurs activités, notamment la mise en service du bac sur la rivière Luanga, Chimwa, et l'ouverture de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola au poste de Kamoto. Rodépanda pour les détails. Ce jour, dans son fief électoral pour des vacances parlementaires, l'honorable Papi Mwanza, bon soleil, fils du terroir, accompagné du gouverneur du Kasaï, Dieudonné Mpiémé, toutes côtes, ont effectué les déplacements du territoire de Kamounia où ils ont procédé à l'inauguration du bac sur la rivière Luanga-Chimwa en présence de la population bénéficiaire et ce, dans une ambiance d'accueil chaleureux. Un seul conseil, utile aux usagers, protéger et gérer cet outil d'intérêt communautaire en toute responsabilité. Après l'inauguration, le gouverneur Mpiémé et l'honorable Papi Mwanza sont allés au poste frontalier de Kamako pour l'ouverture de la frontière entre l'Angola et la RDC. Le vice-gouverneur de la province de Lunda Nord pour la partie angolaise a participé à la cérémonie. Un lot important de matelas pour les prisonniers et 150 sacs pour la construction du stade, bâtiment administratif de l'ISTEM, Chikapa et UCAM pour les laboratoires ont été remis au ministre de l'Intérieur, Alain Tshisungu et Denise Moulouku du sport. Je me suis donné la peine de dire cette fois-ci les universités. Satisfaction du directeur intérimaire de la prison de Chikapa. Papi Bon Soleil, pour ce geste qu'il vient de poser, les détenus sont en train de passer nuit à sol sans lit. Un soutien inconditionnel réitéré par la population de cette contrée à l'endroit de leur leader, l'honorable Papi Mwanza, et du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, fin de ce journal de Cédric Kenina, réalisé par Yolande Boka et Luison Moulongoï. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous.